One small step for man, one giant leap for man. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de La Tête dans les Étoiles. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai emmené en Russie. On a parlé de Soyouz, d'une sonde qui était rentrée dans l'atmosphère, sonde à destination de Mars. Je vous propose maintenant d'aller un petit peu plus loin vers l'Est et d'atterrir en Chine. En effet, la Chine est devenue la troisième grande puissance spatiale au monde capable d'envoyer par ses propres moyens des hommes et des femmes dans l'espace. Alors la Chine vient de dévoiler son programme pour les 5 années à venir, un livre blanc, si vous voulez, de la conquête spatiale chinoise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le programme spatial chinois est très, très ambitieux. Alors vous savez, il y a déjà plusieurs Chinois qui ont volé dans l'espace. Tiens, comment appelle-t-on un cosmonaute chinois ou un astronaute chinois? Allez, je vais vous l'apprendre. On appelle ça un taïkonaute, voilà. Donc il y a les astronautes américains, les cosmonautes russes, les taïkonautes chinois. C'était une petite parenthèse. On se retrouve en Chine. Les Chinois ont lancé l'été dernier un premier élément d'une future grande station spatiale qui s'appelle Tiangong 1. Elle a été rejointe quelques semaines plus tard par un premier élément non habité, il aurait pu, Shenzhou, un vaisseau spatial Shenzhou qui pourrait emmener des hommes et des femmes chinoises dans l'espace. C'est une première étude, c'est un premier essai d'une future grande station spatiale qu'ils pourraient lancer d'ici fin 2012. Alors les Chinois aussi ont annoncé qu'ils ont l'intention d'envoyer un Chinois sur la Lune. Oh, pas tout de suite, pas avant 2020-2025. Mais on voit, ils progressent tout doucement, ce qui ne fait pas l'affaire évidemment des Américains et des Russes. Mais pourquoi pas, ça pourrait restimuler un petit peu les deux autres agences spatiales. Et puis, fait tout à fait étonnant, c'est que la Chine a annoncé qu'elle pourrait ouvrir sa station spatiale à des astronautes étrangers. Vous imaginez un Américain, un chercheur américain qui pourrait aller travailler dans la station spatiale chinoise. C'est tout simplement extraordinaire et très très intéressant. Alors, la technologie utilisée par les Chinois est bien sûr d'inspiration soviétique. Les astronautes, les taïkonautes chinois sont allés régulièrement s'entraîner à la Cité des Étoiles à Moscou. Et quand on voit leur vaisseau spatial Shenzhou, il ressemble comme deux gouttes d'eau au Soyouz. D'ailleurs, la future station spatiale qu'ils vont envoyer, eh bien, ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ancienne station russe Mir. Mais il est évident que la Chine, son programme spatial s'inscrit dans son énorme programme de développement technique et économique. Et bien sûr, c'est aussi une vitrine. Elle nous montre, la Chine, que le Parti communiste est tout à fait capable d'amener la Chine également au niveau d'une grande puissance mondiale. Donc les Chinois annoncent également la construction et le lancement d'une nouvelle station spatiale, d'une très grande station spatiale. Ils prévoient d'y envoyer un nouvel équipage en 2013, un nouvel équipage en 2015, peut-être de longue durée. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des femmes chinoises qui s'entraînent pour y partir. Donc dans un de ces deux équipages-là, il devrait y avoir la première taïkonaute chinoise. Alors bien sûr, pour envoyer sa station spatiale ou ses hommes dans l'espace, la Chine a dû développer des lanceurs propres à elle. Ces fusées, on les appelle des longues marches. Et ils ont annoncé, les Chinois, donc dans leur livre blanc, que prochainement, ils vont débuter la construction d'un nouveau cosmodrome, une nouvelle aire de lancement sur une île au sud de la Chine. Et en plus, ces nouveaux lanceurs qu'ils vont utiliser, des nouveaux lanceurs, des gros lanceurs longues marches, utiliseront probablement, en tout cas ils l'annoncent, un carburant non toxique et non polluant, ce qui sera vraiment une toute grande première. Alors, rencontrer un taïkonaute chinois, c'est évidemment très très rare et un grand privilège. Eh bien, nous avons eu la chance d'en accueillir un une fois à l'Eurospace Center. Il s'appelle Fei Junlong et il a passé quelques heures ici à l'Eurospace Center il y a quelques années. That's one small step for man, one giant leap for man.